Je suis arrivée à un moment où j'avais un peu de temps et je préférais qu'il soit utile à quelque chose plutôt que de ne rester sans rien faire et de participer à une action collective en faveur des pays où les gens sont les plus démunis possibles. Déjà, de mettre en image le savoir-faire, ça, je pense que c'est important. C'est un moyen maintenant d'expression. J'ai le même recours. Quand je ne sais pas faire quelque chose, je regarde si effectivement on ne peut pas trouver une vidéo. C'était un peu surprenant. Hein. Faire quelque chose et se taire, ne rien dire, c'est difficile. Hein. D'abord, ça permet d'avoir un travail d'équipe, ça permet de connaître les autres métiers, ça permet de connaître d'autres personnes et d'élargir un peu le champ. Et puis, ma foi, on peut aussi s'amuser. Alors, j'ai appris en matière de communication et particulièrement sur l'image. Comment on peut arriver avec une image bien construite à faire passer des connaissances ? Par rapport à Électriciens sans frontières, c'est vrai qu'on a besoin de vidéos parce que toutes nos actions, il y a une formation. Dans les pays francophones, ça va, mais on ne va pas toujours que dans des pays francophones. C'est indispensable, la connaissance, c'est la base de toute civilisation. Et je pense qu'en plus, on peut le faire beaucoup mieux par l'image.